Denis Sassou Nguesso et le cercle de l'enfer. Sachant que ses jours sont proches, sachant que la victoire n'est pas celle de la force, mais plutôt du temps, le dictateur Denis Sassou Nguesso multiplie les confessions intimes inquiétantes. Comment peut-on se confesser après avoir assassiné et marché sur plusieurs milliers de morts pour embrasser le pouvoir? Un pouvoir symbolisé par le sang des innocents. Denis Sassou Nguesso a peur depuis qu'il a entendu des voix d'outre-tombe après le décès de son fidèle, Lekunzu. Il sait que son heure est proche. Il a du sang sur les mains. Les esprits demandent justice et vengeance. Denis Sassou Nguesso cache sa tristesse à ses proches. Les Congolais tourneront bientôt la page de son régime, car les bouleversements qui arrivent sont inéluctables. À vous qui nous écoutez, nous vous posons la question suivante. Que fait le corps de Clément Mwamba encore à Paris? Denis Sassou Nguesso, la descente dans le lac des lamentations. Le temps est le seul maître des circonstances. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, abonnez-vous et laissez un commentaire.